City Arts specializes, as its name suggests, in the arts. There, at any given time, you can find people of all ages engaging in their respective activities. City Art, c'est une école de danse. En fait, pour le moment, on a une centaine d'enfants. On prend des enfants à partir de 4 ans à 17 ans et on donne des cours principalement de danse classique, ballet. Mais aussi, il y a des cours de guitare, il y a de violon, il y a des cours d'art plastique. Et l'idée est de pouvoir bien encadrer les enfants après avoir été à l'école pour apprendre ce qui est bien au niveau intellectuel, mais aussi d'avoir l'autre partie où c'est bien de pouvoir s'exprimer au niveau artistique. On a des cours pour des adultes. Donc on fait les yoga principalement, on fait des workshops en photographie, en danse et différents arts. I went to visit the center during rehearsals for an upcoming show featuring these young aspiring ballerinas. We're doing Thumbelina, the play, so each of the classes has a part that they're doing, like this is autumn, so they're leaves, and the other class was frogs, so it's one big story that they're creating. But as much fun as these girls are having, they're doing more than just dancing. They learn that while it's really fun, they also have to be serious and learn if they want to do a good job. But it's nice because we're entertainment and we're fun, but we're also a school. Because it teaches you how to express yourself. It teaches you discipline and also coordination, which goes across any kind of border of what you need to do in life. And so it makes them make more friends outside of just the school that they're at. Because I've noticed for some kids, they only know, you know, the people who go to their school, and now they know people from everywhere and they make more friends. So we've kind of built a little bit of a community, which is nice. It's like our own City Arts family. Mon objectif, au fait, ce n'est même pas d'en faire une école commerciale, c'est plutôt pouvoir donner l'occasion aux Rwandais, aussi bien qu'étrangers, une opportunité de pouvoir bien se lancer et développer leur talent artistique. Et j'espère que d'ici quelques années, ça deviendra une vraie école, parce que pour le moment, on fonctionne part-time. Donc c'est le plus grand, mais j'espère bien que d'ici 5 ans, ce serait une école avec des enseignants à temps plein et que finalement, on peut produire des grands artistes. Hats off to City Arts and everything they hope to achieve. We hope you've had your cuteness bill for the day. Makeda Mahadio, Rise and Shine Rwanda.